On ferait mieux de subventionner les cantines pour qu'elles puissent payer leur juste prix donc aux producteurs. Ça, c'est un truc énorme. Ouais. Ça fait... Subventionner les cantines. Les consommateurs, de manière générale, donc plutôt que les producteurs. Je ne sais pas si, de votre part, vous avez d'autres services de l'agriculture que vous aimeriez rajouter. Des services à ça. Des services ou des bénéfices de l'agriculture, des choses que ça vous apporte. Et donc, en fait, je vous invite à une petite réflexion en binôme où j'ai préparé un petit jeu de rôle. D'organiser des visites chez le producteur, déjà, ça va... Une fois par an, quoi. Sur le nombre d'écoles et tout ça. À Montpellier, les enfants des écoles vont dans les jardins, facilement une dizaine de fois dans l'année. Hein. Ouais, des projets de transport, d'autoroute, de gare, de train, etc. Si par contre, on nous donne les moyens financiers de pouvoir acheter correctement, sainement, il n'y aurait pas de guerre des prix entre les... Entre les grandes surfaces et les petits producteurs, quoi, et on serait pas en train de les insérer. C'est changer ses pratiques. C'est revenir à acheter des produits de base et à savoir se remettre un peu à les transformer à la maison. Est-ce que c'est pas ce qu'on nous a fait croire, j'entends tout le monde, ça, on essaiera toujours de vinaigre, on essaiera toujours de juger. Enfin, je pense que ça pourra pas marcher sans de la mesure. Progrès, je... Il peut y avoir une charte. Ou manifeste. Manifeste, une charte. Ce qui a été fait tout à l'heure, ça, faut le garder. Mon gars va être important que j'achète. Il a été décidé dans le SCOT d'urbaniser un tiers des espaces naturels et agricoles. Voilà, vous avez toute cette partie qui disparaît. Moi, j'ai pas, ma religion n'est pas faite. Je demande à voir ce qui va être aménagé. Mal manger, c'était manger trop la quantité, mais aussi montrer qu'il y en avait qui n'avaient pas la quantité. C'est un problème de choix de temps et d'argent. Il y a des fois, ils préféreront, au lieu d'aller passer, moi, je peux passer peut-être 2h30 à choisir ma nourriture, personne ne me dira ça. Moi, je préfère vite faire une heure au supermarché. Après, je préfère aller courir une heure. Non, mais par exemple. L'idée, c'est de voir comment on peut aider le territoire à avancer sur ce manifeste, point, et notamment en mettant en place des critères, des indicateurs, des outils d'évaluation, un petit peu des initiatives et des progrès de chacun. Alors, du coup, on a posé un peu les choses. Ou alors, d'abord, je cite un exemple, par exemple, une boulangerie, entre une boulangerie qui fait que du conventionnel. On fait ça et puis... Ou bien l'indicateur de référence l'année dernière. Oui, ou avoir une période de référence. Ouais. Par rapport à il y a un an, on est... Tu pars un truc, t'as arrêté de mettre... Tu recommences à mettre du sol nu. T'arrêtes d'avoir ton sol nu, par exemple, il y a une nouveauté, tu pars par rapport à l'année d'avant. Je me suis pas mal exprimé. Une des premières propositions a été de dire ça serait bien que la métropole elle puisse travailler sur, comme il existe un marché d'intérêt national, un marché d'intérêt local, qui serait un espace, un mille, qui serait un espace qui accueillerait des producteurs. Augmenter les espaces de vente, alors les espaces d'échange, non ? Les espaces d'échange. Et les diversifier aussi. Je me mets ici ou je fais un autre pôle pour la répartition parce que vous avez eu l'air de décliner pour moi sur la répartition. Bon, je vais vous inviter s'il vous plaît à vous lever à présent. Vous avez pas compris. 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 Vous avez pas compris